Alors, les nouvelles créatures de Nerissa, ces chevaliers de la destruction, vous ont attaqué, vous et vos familles? Et aussi Matt. Pourtant, je n'ai eu aucune vision. J'ai l'impression que Nerissa a délibérément altéré mes pouvoirs. La méditation m'aidera à y voir clair. Prenez votre temps, nous on attendra ici. Non, vous devez retourner sur Terre. Tant que l'oracle est en transe et absent à lui-même, c'est vous qui serez les yeux de ce conseil. Oh, ça c'est génial! Du coup, je vais me sentir coupable de cligner des yeux! Et voilà, pas moyen d'échapper au lavage de voiture pour la collecte de fonds. La Cornelia que je connais dépense les fonds, elle ne les collecte pas. C'est tout à fait vrai, mais mon père a insisté. Alors bien sûr, je vous ai inscrite en même temps. Ah, de retour à Kandrakkar. C'est si beau, si paisible. On va remédier à ça. Pouvoir magique secret pour 5 amis désormais. Élu pour sauver le monde. Transformation éclair avec une âme de guerrière. La lumière les inonde. Alors toutes les forces maléfiques vont se heurter au pouvoir. Croire que tu nous es inscrite pour laver les voitures sans même nous le demander. Enfin quoi, c'est pour une bonne cause. Moi. Waouh, si c'est pas du narcissisme ça. Oh, moi, ma mère m'a inscrite d'office, mais franchement, c'est sûr que ça craindrait moins si vous veniez aussi. Oui, on pourrait faire des batailles d'eau. Bah tiens, c'est sûr qu'on l'avait jamais fait. Regardez, ça n'a pas l'air si atroce. Oh si, c'est atroce! Monsieur O'Neill en chante à fleurs! Oh, je veux pas voir ça! Oh, Will, je te cherchais. Ta mère a besoin d'aide. Toi aussi, Eileen, viens. Cornelia, ma princesse, par ici! Vous êtes prête? Vous allez adorer. Ah, oui, bien sûr, papa. On est folle de joie. Pourquoi ne pas commencer par... Cette place est prise. Waouh, waouh, pas belle voiture. Entrons, nous verrons qui est là. La forteresse du cœur de Kandrakkar est en état de siège. Dis-moi, Will, mais quand ce sera fini, tu n'aimerais pas que je vous emmène toutes les deux faire un tour? Tu veux dire échapper à cette corvée? C'est trop cool! Quelques minutes dans une décapotable, ça ne compense pas des mois d'absence. Oh, t'as oublié une tâche. Alors occupe-toi et enlève-la, mademoiselle, je sais tout. Non, moi je supervise. Regarde encore une. Qu'est-ce que vous feriez sans moi? La raclette, Cornelia, Cornelia, la raclette. Bien, maintenant je vais vous laisser en tête à tête. Oui, mais moi je suis la terre. Tout ce que je peux faire, c'est remettre un peu de boue. Si c'était moi, l'eau, j'aiderais avec plaisir. Hein? Je vois que tu ne fais pas les choses à moitié, chérie. Le mur ne tiendra plus très longtemps. Reste calme, Adimor. Blunk va prévenir les gardiennes. Oui, c'est ça. Blunk, faire ça. Sortir d'ici et ensuite faire ça. Luba, protège les Auramères. Rien ne doit troubler la source du pouvoir des gardiennes. Tous les autres, suivez-moi. Ah oh, Jean, être trop nombreux. Bonne chose, Blunk, mettre en déguisement.
ne crains rien, Tibor. Oh. Alinor, sois un peu plus prudent. Utiliser tes anciens pouvoirs de gardienne draine une part trop importante de ta force vitale. Mais je dois les aider. La forteresse n'avait encore jamais été attaquée. J'adore sentir l'arôme du désespoir si tôt le matin. Connaître ses chaussures. Chut, avoir gros problème. C'est tout bon. En route, les filles. Oui, on a une urgence spéciale, Kandrakar. Mais avant, on a besoin d'un petit peu d'eau. Lavez votre voiture. Second lavage gratuit, cadeau de la maison. Excellent travail, les filles. Votre prochaine mission... Attendez, avant toute chose, il faut qu'on fasse l'intérieur. Quel professionnalisme, hein? Gardienne devoir partir d'ici tout de suite. On peut pas disparaître comme ça. Blink avoir besoin de chaussures. Mais c'est ma fête aujourd'hui ou quoi? Je sais que ça va te surprendre, mais le monde ne tourne pas seulement autour de toi. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? On est partenaires, Cornelia, on n'est pas tes boniches. Les filles, théoriquement la bataille ça se passe dehors. Gardienne, taisez-vous et cristallisation. Tu les entends? Comment les gardiennes peuvent-elles protéger la forteresse si elles ne sont pas en harmonie? Je sens la pression qui approche. Waouh, devine qui a eu sa ration de vitamines. Attention! Avec de la glace, hein, Braise? Je crois que c'est clair, il a gagné en puissance. Un peu de chaleur, ce serait pas trop. Ok, j'arrive. Cornelia, tu nous aides? Ou bien tu te contentes de superviser? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Les plantes, ça pousse pas dans l'air, vous savez. Ces filles ont encore tellement à apprendre. Quel dommage que toi, tu ne sois plus gardienne. Alors là, si je vous sauve pas, Irma ne me laissera plus jamais tranquille. Elles ne sont plus que trois. Si seulement nous pouvions les aider. Moi, je peux le faire. C'est mon devoir. La muraille n'est jamais là quand on en a besoin. La muraille? Bien sûr, une muraille, même infime, pourrait sauver la forteresse. Mais nous aurons besoin d'un pouvoir considérable. Cornelia, peux-tu trouver les autres? Après tout, je manquerai à personne ici. Vous avez vu les filles? Elles ne sont plus là. Non. Quelqu'un leur a peut-être suggéré qu'on pouvait échapper à ses devoirs. Elles allaient chercher de l'eau. Et où ça? Aux îles Caraïbes? Oh, Cornelia, tu l'as bien nettoyé, celui-là. Franchement, ça me fait plaisir, Will. Blanc, jamais avoir été aussi propre de sa vie. Alinor... Je ne peux pas quitter les Oramères. Qui protégerait la source des pouvoirs? C'est moi. Je nous protégerai tous. Alinor, qu'est-ce que tu as? Les flammes ont neutralisé son oxygène. Elle retrouvera vite ses esprits. Je dois me dépêcher. Les gardiennes manquent encore trop d'expérience.
mais pas moi. Donc, tu voles leur pouvoir en plein milieu d'une bataille terrible. La peur est un auxiliaire puissant, surtout quand il génère la trahison. Le besoin d'agir à tout prix, même de manière perfide, pour apaiser les flammes brûlantes de tes propres terreurs. La voilà, ta faille, Alinor. Voilà tout ce dont j'avais besoin pour t'attirer à moi. À présent, transfère le pouvoir de Khandrakar vers le cœur de Meridian. Nos ailes, nos pouvoirs, tout a disparu. Eh ben, fais-les revenir! Gardienne, cristallisation! D'accord, ça marche plus. Et sinon, qu'est-ce que vous deviez courir? Hé, hey, boule de glace, on se calme! Waouh, c'est chaud! C'est vraiment Cornelia! Qu'est-ce que vous feriez sans moi? C'est vraiment Cornelia. Récupérer tous nos pouvoirs. Aucune idée. C'est pas vrai, moi fort. Et une seconde, je suis face à un iceberg qui me prend pour le Titanic. Nous avons besoin de vous pour créer la muraille. Joignez vos pouvoirs aux nôtres, vite. J'ai cru que tu ne le demanderais jamais. Oh, saison, c'est toi. Tu te cachais parmi nous et tu altérais mes pouvoirs. Nerissa. Moi-même. Et puisque tu m'as invité à rejoindre votre cercle magique... J'attends ce moment depuis des décennies. Depuis que tu m'as emprisonné, j'attends de pouvoir te rendre l'appareil. J'aurais volontiers continué cette discussion, mais le pouvoir de Khandrakar attend de retrouver son légitime possesseur. Moi. Ce serait plus drôle si tu l'attaquais lui. Plus drôle, plus drôle. Ça, c'est drôle! Non, ça va pas! Tu perds la tête! Ah! Allez, vas-y, oui, utilise les éclairs! La télékinésie, plus drôle! Oui, c'est mieux! Oui, pas la peine de jouer les mouches du coach, les filles! Kor, détourne son attention! En plus, je parie que tu m'attraperas pas. Ok, j'ai perdu mon pari. Caleb. Oui, attention. C'est trop dangereux. Rentrez vite. Écoutez les filles, il n'y a que moi qui puisse nous sauver. Waouh, même quand elle se dévoue aux autres, c'est de manière narcissique. Je ne peux pas assurer vos arrières et aller de l'avant en même temps. Cornelia, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je vous protège tous. Tu ne peux pas faire ça. On était partenaires, pas tes protégés. Il faut qu'on sorte d'ici. Vraiment? Mais si Cornelia avait raison? Ben oui, quoi, il y a un début à tout. On ne peut pas la laisser seule dehors comme ça. Nous sommes ses amis.
et on sera toujours plus fortes ensemble, qu'on ait nos pouvoirs ou pas. Oh ça, elle va l'avoir, notre aide, qu'elle le veuille ou non. Hé, le cœur est chaud. Vous savez, même s'il ne transmet plus le pouvoir des auras mères, ça reste un talisman. Je crois pas. Vous nettoyez encore ce véhicule, mais... Mais où est passée ma fille? Elle nous a lâchement abandonnés. Pour aller chercher un désodorisant. Il faut que cette fourgonnette soit impeccable. Ah! Juste être Blink. Vous pas reconnaître Blink parce que Blink... être propre. Il faut absolument qu'on retourne voir Cornelia. Ah, mais comment? Ma mère ne me quitte pas des yeux une seule minute. Will? Will, où sont tes chaussures? Même la plus jolie des fleurs n'est pas de taille contre le froid. Elle gèle et se casse. Ah, tu me trouves jolie? Écoute, désolé mon grand, mais j'ai déjà un copain. Quant à tes cristaux, si ce ne sont pas des diamants, ça ne m'intéresse pas! Alors comme ça, tu te nourris de la peur. Eh ben, tu vas adorer ça. Ça s'appelle confiance en soi. Non. Cor, Braise, attention! Que je suis belle, c'est que je suis carrément sublime. Quel succès, Cornelia. D'ailleurs, tu t'en sors si bien qu'il faudrait peut-être que tu gardes les 5 pouvoirs de façon permanente. Ça y est, ma puce, j'ai eu mon second lavage. Tu sais, ce Collins, il est excellent avec un chiffon. Alors, si tu es prête pour ce petit tour... Ça y est, on est prêt. Très bien, allons-y. Tony, ils ont des obligations, d'accord? Suzanne, c'est juste un petit tour, détends-toi. Désolée, pause pipi. Et vous tous? En travaillant avec toute cette eau. Fonce sur Méridiane pour ramener des renforts à Kandrakkar. Allez, maison propre. Maman Blink va reconnaître son petit. Garder les pouvoirs, je pourrais pas. Même si j'étais plutôt fabuleuse, non? Étonnante, oui. Imagine ça. Cornelia, seule gardienne de Kandrakkar. Je pourrais t'aider. Il suffit que tu t'ouvres à mon pouvoir. Votre pouvoir? Wow! Est-ce qu'on tombe mal par hasard? Oui. Et comment as-tu... Ignore-les! Tu n'as plus besoin d'elle maintenant que tu as les pouvoirs. Sauf peut-être pour laver des voitures. Vous pensez vraiment qu'elle aurait fait tout ça si elle pensait qu'à elle? Je pense qu'on va reprendre l'ancienne formule. Quand on est seul, finalement, on ne s'amuse quand même pas autant. Tu ne sais pas à quoi tu tournes le dos. Ni à qui. Will, prends le cœur de Kandrakkar et fais la lumière sur tout cela. Nerissa! Gardez vos précieuses auras mères. Moi, j'ai ce que j'étais venu chercher. Les auras mères sont restaurées, mais Alinor a été corrompue. La devineresse nous a trompés. Et nous ne pourrons rien faire pour les autres avant que le cœur de Méridiane, la cause de leur asservissement, ne soit libéré. Je doute qu'elle revienne. Elle ne peut pas prendre les auras mères par la force. Et c'est tout ce qui nous reste. Le conseil de Kandrakkar n'existe plus.
J'ai peur que la responsabilité d'arrêter cette sorcière ne vous incombe entièrement à présent, gardienne. Ah, cool! C'est pas stressant. J'espère que vous avez une bonne excuse pour vous être absentée aussi longtemps. En guise de punition, vous nettoierez ce car toutes les cinq, extérieur et intérieur. Ah, oh, c'est pas vrai, on en a pour une semaine à le nettoyer. Mais attendez, c'est entièrement ma faute. J'ai triché et elles m'ont couverte. Mais je suis prête à prendre mes responsabilités, hein. Oh, s'il vous plaît, je voudrais pas qu'elles payent pour moi. Dans ce cas, je pense que les autres peuvent partir. Mais qu'est-ce que vous faites? On t'aide. Mais... Eh, hey, on est partenaires, t'oublieras plus, d'accord? L'une de vous aurait vu mes chaussures.